je m'appelle Aïcha Boukir, je suis directrice adjointe du pôle d'établissements médico-sociaux Edmond Albus, géré par l'ALEFPA. L'ALEFPA, c'est l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. En plus de mon métier, en fait, de directrice adjointe, j'anime un groupe de sportifs depuis 2013. Donc ce groupe de sportifs, ce sont des sportifs en situation de handicap. Et là, l'idée, c'était de permettre à, ces personnes de pouvoir accéder à une pratique de haut niveau, hein, puisque là, il s'agit de trail et de course à pied, voire de marathon. Donc là, on est dans du sport de haut niveau. Et en plus d'y avoir accès comme tout le monde, c'est-à-dire sans étiquette, sans être stigmatisé, sans être dans une catégorie handicap. Ce projet, on l'a appelé « Nous courons comme Zot », « Nous courons comme vous » en créole réunionnais. Donc c'est un projet qui repose sur un groupe de bénévoles et là tout le monde court, tout le monde court, même moi je cours. Il y a de plus en plus de personnes qui sont attirées par ce projet-là et qui ont envie de courir, et puis celles qui sont déjà dans le projet ont envie de continuer à faire le tour du monde en courant, en fait. C'était ça, le truc, c'était ça. Donc c'est aussi découvrir des personnes qui ne parlent pas du tout la même langue que nous, découvrir des monnaies qui sont différentes. En termes de découverte, c'est des choses qu'ils ne pourraient pas faire si, dans un autre cadre, quoi. C'est vraiment découvrir un autre pays et en même temps améliorer ses compétences sportives, améliorer ses compétences sociales. Il faut que je sois toujours occupée et il faut que je m'éclate dans ce que je fais. Je suis quelqu'un d'extrêmement dynamique. Et ce que j'aimerais, c'est que tous les enfants aillent à l'école avec les autres enfants, que les personnes en situation de handicap puissent travailler comme les autres personnes dans le milieu ordinaire et pas dans un milieu ségrégué comme le nôtre. Enfin, c'est une vision idéaliste, hein, mais ce que j'aimerais dans l'avenir, c'est ça.